service, Jésus mon sauveur, qu'il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, je suis sauvé par le moyen de la foi, car il paya ma rédemption quand il mourut sur la croix. On a continué à chanter parole que nous jouons dans numéro 35 du recueil des mélodies joyeuses, section française. 35. Dans sa grâce, je suis sauvé par le moyen. Thank you.
pas le prier, bon Dieu, pour une position que vous êtes d'accord avec, vous sentez bien. Pour nous aller prier, Seigneur, nous. Nous avons prié avec parole ça que nous jouons dans le numéro 194, section française, chant d'espérance. Jésus te confie une œuvre d'amour. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître grand attend toi mal puissant. Va chercher ton frère, exclamant la seule, là de sa misère, de son noir passé, arrache son âme au plaisir qu'on meurt. Le salut proclame en Christ en fêter journée ça. Mande bon Dieu grâce
consolation, Dieu de justice. Maintenant, Seigneur, nous venons là pour nous faire un bagage que nous n'avons pas faire pour personne. Adorer et bas gloire que vous-même seul mérité. Nous comptons maintenant, Seigneur, pour le privilège ou bas nous encore pour nous venir dans le temps pour adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous comptons, franchement, nous pas une bouche pour nous remercier. Seigneur, maintenant, nous te faisons une semaine, la caille nous, une activité nous. Et ça montre qu'on te protège nous pendant la semaine. Ça. Seulement protéger nous, Seigneur, mais maintenant encore, on a une chance pour nous venir adorer. Vous protégez nous de toutes sortes, Seigneur. Vous kembe nous. Et Seigneur, grâce à vous, te couvrir nous. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'on fait dans la vie. Nous. Pour ce qu'on fait nous yé dans la vie. Nous. Et j'ai lutté avec nous, j'ai kembe maintenant, Seigneur, pour nous continuer à marcher avec vous. Seigneur, pardonnez-nous pour tout ça nous fait qui mal. Bagay qui t'a fait nous vivre très loin de vous. Bagay qui t'a fait nous pas pocher pour vous, Seigneur. Grâce, permettre que nous là, matin, nous contents, Seigneur. C'est pour nous lever maintenant, Seigneur, non seulement tous les membres de l'Église, Seigneur, toute communauté à devant, Seigneur, devant table bénie, que nous avons demandé aux faveurs qui sortent de bon côté, au Seigneur, pour nous. Que nous avons demandé au Seigneur pour conduire, au Seigneur, surtout les femmes de l'Église qui ont fardeau sous deux, cher Seigneur. Ils ont fardeau de la famille. Ah, vous connaissez comment temps difficile, Seigneur. Vous connaissez comment temps, son temps qui n'est pas possible, façon à vivre, Seigneur. Mais on connaît toute fardeau, bien souvent, vous tombez dans le foyer sous dos les femmes. C'est vous qui connaissez comment pour gérer, Seigneur. N'a pas de plus de compréhension, plus d'amour, plus moyen, Seigneur, pour vous comprendre. Et pour adapter à une situation qui est extrêmement difficile avec famille, au Seigneur. Nous levons famille, sa famille, l'Église, Bérusalem, toute communauté à nommer au matin, Seigneur. Côté de jour en jour, pour montrer au Seigneur, éclairer aux lumières qui sortent dans nous-mêmes. Ah, si c'est ces lumières-là qui éclairent au Seigneur, nous sommes certains que il va arriver. Nous levons les malades devant le Seigneur matin. En pile monde qui touché par maladie. En pile monde qui pas venir l'église à matin parce que yo malade dans corps physique yo. Et qui malade dans l'âme yo tout Seigneur. Et qui malade dans marche avec au Seigneur matin. Nous réclamons de vous Seigneur une solution. Comme au son Dieu de consolation. Seigneur matin, n'a pas pour consoler ça yo. Qui est consolable, Seigneur. Et si il y a consolation, c'est parce qu'il y a une désolation, Seigneur. Maintenant, ça y est qui est désolé, qui est déboussolé. Ça y est qui ne pas connaît, qui ça pour y crier encore, Seigneur. Qui ne pas connaît, qui ça pour y manier encore, Seigneur. Ça y est qui déserté, caillou, qui quitte quartier. Il y avait depuis bien longtemps, Seigneur, qui a vécu caillou, alors il a quitté ça depuis bien longtemps. C'est une situation qui permet ça, Seigneur. C'est vous qui avez une solution, c'est vous qui avez consolé, Seigneur. Personne n'a pas fait encore, parce que nous essayons tout le bagage, Seigneur. Nous essayons tout ça pour nous faire avec force, nous. Mais force, nous pas capable, Seigneur. Et maintenant, nous venons crier, Seigneur, amèrement devant, pour nous dire une dernière chance, Seigneur. Prends-nous, levez-nous, Seigneur. C'est vous qui avez intervenu dans la situation, ça, Seigneur. Les hommes font assez. Yo réuni, yo chita, yo parlé entre yo. Qui ça pour yo faire pour nous, Seigneur? Finalement, yo pas qu'à faire rien pour nous. Nous laguer pour contre nous, Seigneur. Dans vallée, dans désert là. Mais Seigneur, dans désert là, c'est là où toujours intervenu pour nous, Seigneur. Côté pas gain de l'eau, pas gain manger, Seigneur. Côté l'armée rouge derrière nous, éternel Dieu.
Et puis dans le désert là, non seulement on va faire provision de l'eau pour nous, on va faire provision manger pour nous, mais Seigneur, on va faire provision la vie pour nous. Parce que dans le temps la mort, nous traversons la mer rouge. Mais le Seigneur, nous avons traversé la mer rouge. Nous pouvons sortir toujours parce que nous gagnons, Seigneur, obstacle devant nous toujours. Maintenant, Seigneur, permettre que nous traversions obstacle, permettre que nous traversions avec force et courage. Tant que vous avez fait l'autre à monter quoi, ce n'est pas avec un esprit de timidité, mais c'est avec un esprit de force. Maintenant, Seigneur, bénis l'église où, venez avec force dans l'église où, Seigneur. Le pays d'Haïti encore, devons camper debout devant Seigneur. Car pas gagné rien qu'à tromper. Pays à monde qui n'a pas payé, pas qu'à tromper au Seigneur. Parce que tu déjà connais ça pour arriver. Et pour qui ça s'arrive? Seigneur, nous lever, tous les amis nous qui vivent en dehors du pays. Petit nous, frères nous, Seigneur. Maintenant même, Seigneur, vous avez besoin de consoler tout. Parce que vous n'avez pas gagné le même type de problème, même couleur de problème avec nous. Mais Seigneur, nous qui vivent dans la désolation. Seigneur, il y a besoin de présence dans la vie. Il y a qui ne peuvent pas l'adorer au matin, Seigneur, parce que c'est trop loin de l'église. Mais il y a chita devant si appareil, peut-être, il suivent nous ici, Seigneur. Nous avons même bénissant tout, touché au matin. Il y a une force, un courage, la santé pour continuer le travail. Parce que quand pile dans vous, Seigneur, il a crié dans le cœur tout, parce que il y a une famille en Haïti. Il y a des amis, il y a des frères l'église, il y a des sœurs l'église, il y a des pasteurs l'église. Il y a besoin de prier chaque jour pour vous, Seigneur. Maintenant, consolez-vous tous, Seigneur. Bénis-vous, maintenant, Seigneur. Nous lèverons, Seigneur, la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti. Seigneur et ses dirigeants, Seigneur, n'a pas que combler de bénédictions et de force, parce que vous avez une pile grosse activité devant vous. Dans le jour qui vient, Seigneur, permettre que lumière éclaire partout où vous passez. Permettre que le travail que vous avez fait, Seigneur, bénis moun, éclairez moun, fais moun accepter l'évangile, non pas courir derrière, mais finis joindre l'évangile, Seigneur. Nous prions au matin parce que nous connaissons qu'on ne peut pas quitter nous tout seul, Seigneur. Il est nous entravé, c'est vous pour nous aider. Nous aider au matin, Seigneur, venez au secours de nous. Nous prions, ce n'est pas parce que nous avons mérite, mais au nom de celui qui vit, qui règne au siècle des siècles. J'aimerais vivre en paix dans un monde meilleur où l'on est tous amis, on vit ensemble avec joie. Cela est bien normal s'il existe un monde meilleur en Jésus-Christ, notre Sauveur qui à libérer un nouveau monde où l'amour doit régner vraiment. Il n'y aura pas de peur ni de crainte, on pourra vivre ensemble. Un nouveau monde où l'amour doit régner vraiment. Il n'y aura
Et vous debout, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Ésaïe 40, versets 1 à 11. Je lis pour vous. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et priez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, « Crie !» Et il répond, « Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève la voix, ne crains point, dit aux villes de Juda. Voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Notre deuxième lecture se fera dans le livre de Corinthiens, versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi à la consolation. Parole du Seigneur. Seigneur, vous méritez toute gloire, à tout cœur. Seigneur, vous méritez toute gloire. Mais son Père, adorez-vous dans la place moins. Regardez tout ça. Moi, le soir adoration, moi.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gardez moun ki bon côté ou là. Dis bon Dieu consolation. Li remet on li la avec ou. On nous adore. On adore, on nous servir. Oui, bon Dieu fidèle. Moment arrivé pour nous recevoir visiteurs de la première fois nous yo. Et n'a demandé si yon moun ki là qui visitait nous pour première fois, il est capable de camper pour l'église là où elle et saluer lui dans façon pâle. Sinon, grand visiteur qui est arrivé là matin, nous t'a remis où elle. Oh, nous content, nous avons visiteur qui est arrivé avec nous là. L'église, ça n'a pas dit à visiteur ça yo. Oui, nous content où elle. Nous content pour nous adorer ensemble avec elle. Nous te souhaité où t'a arrivé là matin et bon Dieu fait grâce où est arrivé. Eh bien, adorer mon Dieu ensemble avec nous. Ou capable de déplacer côté où il est, ou qu'à suivre jeune introductrice Sayo qui a recevoir ou suivre yo et a bando des informations, ou pas besoin hésiter ba yo information ça ou qu'à déplacer prend tout à fait ou déplacer vin occuper yon banc spécial noté réservé pour ou matin. Pas inquiéter ou adorer mon Dieu ensemble avec nous, c'est même bon Dieu à nous a adoré. Nous, jodi a c'est anniversaire introductrice l'église nou yo. Y a fêté 26 ans de ministère à l'église. Nous content pour nous adorer ensemble avec yo. Et nous gen sœur Marie Gérald qui a fêté avec yo tout, qui t'a fêté pendant semaine nan. Et nous wè occupé mais yo obligé monter cher là. Nan moment ça pour yo offrir nous yon morceau spécial. À la gloire de Dieu. N'a demandé au capable avancer, c'est première fois introductrice l'église nous yo pour adorer bon Dieu dans façon ça pour offrir nous yon morceau spécial. En nous recevoir yo avec un applaudissement. Applaudis yo. Yo belle, yo frais, yo jeune. En nous recevoir yo toute gloire pour bon Dieu. Bienvenue encore à visiteur nous yo. Si gen yon nan nou ki poko gen Christ dans la ville, profiter pendant journée ça by Christ la vie. Et si ou gen Christ déjà ou besoin l'église pour persévérer dans moment ça et porte Belle Vue Salem li largement ouverte pour l'y recevoir. Je voudrais te dire merci pour les choses que tu m'as données. Pourtant, je ne méritais rien, mais j'ai vu tout cet amour. Pour moi, les voix d'un millier d'anges ne sauraient exprimer ma louange. Oh, tout ce que j'espère et tout ce que je suis, oh, tout me vient de toi. À Dieu, sois la gloire.
par son sang, il m'a sauvé, par sa puissance, il m'a relevé. Adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Oui, je veux vivre, vivre ma vie pour le Seigneur. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Une année de consolation, des agents de consolation. C'est notre thème pour cette année, tiré du livre de 2 Corinthiens 1er verset 3 et 4. Toute la gloire est à Dieu. 1997-2023, 26 années de ministère,
malgré les péripéties, l'Éternel nous a toujours secourus. Toute la gloire est à Dieu. Nous remercions notre Dieu pour ses multiples bienfaits envers nous. Malgré les difficultés rencontrées, il ne nous a jamais abandonnés. Toute louange à l'Éternel. Nous disons un grand merci au corps pastoral de l'Église et au diaconat pour leur support, leurs conseils à l'endroit de nos filles. Des remerciements spéciaux à nos supporters qui nous ont mis à quatre épingles ce matin. Notre sœur Ritroud Le Grand, Mignonne Maurice, Vilno Lucie, frère Johnny Collédor, frère Jean-Renel Clercidor, sœur Wisseline Fleurimé. Je vous demande de les applaudir chaudement. Merci beaucoup. Puisse Dieu continuer à déverser sur vous toutes ses plus riches bénédictions. Merci aussi à notre modiste, sœur Bertude Vaval. Tous mes remerciements et félicitations à nos chères introductrices. Vos sacrifices n'ont pas de prix. Malgré les jours difficiles, malgré les difficultés rencontrées dans certaines zones, vous êtes toujours disposés et disponibles pour le travail du Seigneur. Félicitations, mesdames. Félicitations spéciales à sœur Suze Fleurimé. Que la bénédiction du Dieu Trinitaire soit sur vous. Merci à notre maestria, sœur Dinia, et à toute l'équipe pour les sacrifices consentis pour la réalisation de cette belle prestation. Merci à notre maestro. Merci à mes très chères collaboratrices, les membres du comité, Marie-Ange Lédor, Carmel Chérisma, Elimène Généus, Joanne Louis-Saint, Chrislaine Lafortune, Marjorie Lafortune et Marie-Gérald Massé. Merci. Sachez que j'apprécie très fort votre collaboration. Merci à Sœur Fabienne qui est toujours là pour nous, Pasteur Saint-Hippolyte, et merci à tout un chacun. Puisse Dieu vous bénir abondamment. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Que l'Éternel vous bénisse. Toute gloire à vous, bon Dieu. Mesdames et belles, gloire à vous, bon Dieu. En nous chantant les paroles, ça y est. Que nous jouons dans le chant de l'année, nous. Alléluia, jubilé. On nous mettez nous debout. On nous chante les paroles, ça y est, debout. Seulement pas moyen la foi, une paille ou n'a joint pas la vie.
Huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé. On donna à Jésus ce nom, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles, deux pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son tour ce qui était ordonné, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon la parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Luc, chapitre 2, du verset 21e au verset 30e. Moi, j'ai le plaisir pour m'accueillir à l'église des enfants, c'est une belle rencontre ce matin. J'appelle Franz Edbert Julien, fuit des entrailles de monsieur et de Julien et de Francia Limite. Franz a pris naissance au centre hospitalier La Famille le 26 octobre 2022. J'appelle Joyce Ricardo Louisin, fuit des entrailles de monsieur Jose Sébastien Lucin et de Kimberly Vernet. Joyce a pris naissance à la clinique La Santé, le 28 novembre 2022. J'appelle Anne Ivy Flora, etc. Gentil. Fuit des entrailles de monsieur Mackinson Gentil et de Matania des Colus. Anne Ivy a pris naissance à l'hôpital Dash
le 21 novembre 2022. J'appelle Benjamin Angelo Bélisère, fils des entrailles de M. Lérès Bélisère et de Mme Marie-Ange Dauphin. Benjamin a pris naissance au centre hospitalier de Christ par la foi le 25 décembre 2022. Si par exemple la souche, on a demandé à Jeanette John Cassé, tout ça, pour nous faire tout monter parce que j'appelle, si je ne dis pas non bien, donc je me présente, excuse-moi, Chouni Noah Smith Bozil, fille des entrailles de M. Smith Bozil et de Mme Islan Vilmé. Chouni a pris naissance à l'hôpital universitaire La Paix le 21 octobre 2022. J'appelle Marc Henley Benjamin, fille des entrailles de M. Séné Benjamin et de Marc Dalla Pierre. Marc Henley a pris naissance le 28 octobre 2022 à l'hôpital universitaire La Paix. C'est pour une église locale, c'est une belle prise. C'est une belle prise pour une église locale. Et imaginez que si nous avons un rendez-vous pour l'année prochaine, c'est en croissance numérique, biologique. Donc, si parents yo, comme ça a fait, si on continue de travailler toujours pendant le soutien, donc l'année prochaine, ça va taper trop mal. Je dis même avec Salem International, on va continuer de travailler, d'accord? Nous remercions le Seigneur qui visitait famille Sao et qui a une bénédiction. Bible a dit, le fruit des entrailles, c'est une bénédiction de l'Éternel. Le fruit des entrailles, c'est une bénédiction de l'Éternel. Ça fait du bien pour bercer un enfant. Si ou pas qu'à bercer l'enfant, au jeune homme de mon assemblée, si vous n'êtes pas prêt à bercer un enfant, pas mettez un enfant. D'accord? Si vous n'êtes pas prêt pour kembel nan main, on vous dit ça, c'est fuis en trahis moins. Eh bien, kembel fuis en trahis ouah, côté lié à. M'a dit à mesdames qui l'a, si vous n'êtes pas prêt pour bercer un enfant, pour nourrir, pour bal amour, pour instruire, eh bien, réticent pas donner. Parce que leur donner pour te fuir, ça gagne pile responsabilité. Bible a dit, fuis entrailles, c'est une bénédiction. Les entrailles sont petits pieds bois. La donner quand même. Gon période dans la vous donner. A ti adolescent qui l'a, il y a des périodes où commencer en la vie, aussi périodes où on a donné. Quand tu regardes sous les aisselles, ça change. C'est-à-dire que on a donné. Si vous êtes un jeune homme, vous entendez le thème de votre voix, ça change. Ça dit que on peut le donner. Si vous êtes une jeune fille, vous commencez à voir votre hanche élargie, ça veut dire que vous êtes sur route pour donner. Si vous regardez dans votre estomac comme jeune fille, donc il y a deux montagnes qui prennent naissance, ça veut dire que vous êtes en période pour donner. Si vous regardez pieds boyaux, il n'y a pas donné n'importe qui l'est. Il y a donné, la Bible a dit dans le psaume 1er, il y a donné dans la saison. Il faut attendre la saison pour donner. Parce que si vous n'attendez pas la saison pour donner, fuyez la tombée
la chaude, branche ou cassé. L'ordonné avant le branche ou cassé. Fuis en train, c'est bénédiction, bon Dieu. Et nous comptons de ce que bon Dieu bénit famille sa yo et nous placé au matin devant responsabilité comme père et mère de famille. Pour ensuite, si mon sa yo dans la crainte du Seigneur. C'est pas si mon yo vin chef nous, mais c'est nous même qui pour ensuite yo jusqu'à ce que yo ka volé de propres ailes yo. Nous prenons adresser la prière, m'a invité et les pasteurs qui sont présents à, et puis rejoindre sur plateforme là nous parler à tout de rôle adresser la prière à l'endroit de ses enfants. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Reçois mon sacrifice. Seigneur, moi gagne la grâce pour me mettre sur l'autel du sacrifice, c'est le petit Benjamin Mackinson. Ce petit garçon, ça vive. Sous regard béni, on protège le contre les traits enflammés du malin. Pouvoir besoin, maman, la papale. Accompagnez-les, nous présenter là où même. Recevoir, offrande ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, sous autel nous présenter avec le psy Chouni Noah. N'a pas nous déposer sous approbation sous lui. Recevoir lui et faire de lui un enfant béni, un enfant spécial. Yon qui va bien pour faire manifester gloire ou tout côté li va passer. Cachez-le, couvrez-le, serrez-le en bas manteau de grâce ou au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous levons devant les petits Benjamin. Ou même qui dit que qui était Timon yo vient jouer nous. Un royaume des cieux semblé avec vous. Dans les mérites de Jésus-Christ, nous recevons comme un sacrifice vivant. Qu'il capable un garçon qui est puissant, un homme de Dieu, couvrir sous l'ombre de tes ailes. Fais de lui, Seigneur, sa voix, qu'on tonnait, Seigneur, elle parlait, c'est pour être mis en caché. Et nous prenons autorité, Seigneur, sous toute force maléfique qui n'a pas gain pouvoir sous la ville. Qu'il grandit comme un homme de bien, une figure emblématique pour cette génération perverse et corrompue qui a tant besoin de notre Seigneur Jésus-Christ pour être libéré de cette ténèbre. Qu'il y ait un homme qui est remarquable dans l'école, quand il va passer, et qui saute sous lit dès ce matin. Jusqu'à la consommation des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous mettez sous l'autel du sacrifice la petite Evie. C'est pour t'y faire sa vie, pour le grandir sur le regard béni. Protéger le contre les traits enflammés du malin, accompagner-le. Pouvoir, besoin, maman, la papale, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyce, qui m'a rallu saint, moi consacré et moi remet tout au Seigneur. C'est pour Seigneur déposer sous approbation li. C'est pour lui bénir avec toutes sortes de bénédictions. Fait de vous une femme exceptionnelle, une femme béni qui gagne pour faire honneur, bon Dieu, ça,
et honneur famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous levons devant trône béni. Le petit Franz, notre Dieu. À l'instant du Seigneur Jésus-Christ qui était présenté dans ton plan, Seigneur, nous consacrer là au même à au même seul. Fais de lui, Seigneur, un garçon qui a crainte pour, un garçon qui inspire confiance, et fais de lui un homme mondial, notre Dieu, que Dieu l'humanité a fixé sur lui-même, comme un homme qui a crainte pour bon Dieu, un homme puissant, intelligent. Même Jean-Bible dit dans Daniel chapitre 1er, tu es celui qui renouvelle l'intelligence et la sagesse. Demande de renouveler l'intelligence, la sagesse. Fais-lui, Seigneur, un garçon intelligent sur le plan intellectuel, spirituel, et bénis-lui à tous égards, et qu'il soit capable de couvrir sous l'ombre de tes ailes. Et en retour, notre Dieu, Famissa, va dire toute la gloire est à Dieu seul. Au nom, par les mérites de celui qui tient dans sa main la clé de ce jour des morts et celle de la vie Jésus-Christ, à lui revienne gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci. Remettez-vous. Félicitations aux parents. Donc, nous comptons maintenant pour cette belle prise. Nous recevons les annonces du jour et de la semaine avec le pasteur Mémé Supré. Nous avons salué d'une façon spéciale nos visiteurs de la première fois. Ils sont au nombre de 6. À nous-mêmes qui visitons nous pour la première fois à Belvisalem, nous voulons dire nous, nous comptons avec nous. Si nous parlons de l'église, nous avons persévéré dans la communauté. La porte de l'église baptiste Belvisalem a toujours été ouverte pour recevoir nous. Une fois de plus, bienvenue à Belvisalem et bon temps d'adoration avec nous. Nous apprenons de l'église là pour prier pour ceux qui sont malades. Si la yo qui en deuil, si la yo connaît des situations difficiles dans la vie, yo, la prier pour pays nous, le pays qui en difficulté, de voir pas avec vous, c'est prier pour notre cher Haïti. Invitez tout membre de l'église là, les membres baptisés particulièrement à cette réunion d'affaires spéciale qui a fait samedi qui a 4 mars à 4 heures dans l'après-midi. Et tout ça sera fait dans le cadre année jubilaire de l'église là. Parce que Napoléon, l'ange de l'église, t'a aimé partager avec nous toute activité n'a gagné pour année jubilaire ça. Dans ce sens, nous attendons tout samedi qui a 4 mars à 4 heures pour ce temps de partage, pour ce temps de communication. Nous continuons à faire inscription pour classe catéchumène. Si ou recevoir le baptême du Saint-Esprit, pas rien qui empêche de recevoir le baptême par immersion. Et là, on va le montrer à tout le monde, on fait un choix, on choisit pour suivre Jésus, ou quitter le monde et pour prendre Jésus-Christ. Donc, si on a remis recevoir le baptême par immersion, on met le pasteur Trésil, et ouais, n'importe dans nous, le pasteur John Vaval, pour plus ample d'informations. Les services de la semaine, c'est première célébration non. À 8h30, après une deuxième célébration non. Et cet après-midi, à compter de 5h15, après notre temps d'adoration, de prière et de méditation de la parole de Dieu, mardi, Dieu voulant, à 4h, ce sera notre temps de prière et de témoignage. Et jeudi, Dieu voulant, à 4 heures, notre temps d'étude biblique, nous avons ouvert ensemble, nous avons avancé
Dans quel livre? Livre Apocalypse. Est-ce que nous avons étudié un livre comme ça sans vous-même? Est-ce que nous avons étudié un livre comme ça sans vous-même? Par conséquent, on dit non. N'attendons-nous, jeudi, Dieu voulant, à 4 heures pour notre temps d'études bibliques. Et les gens qui participent avec nous, fait ça bien, ils ont mené un ami, ils viennent étudier ensemble avec nous le livre Apocalypse. Demain, Dieu voulant, c'est un temps de formation pour les membres du cœur d'adoration, musiciens, techniciens et tout le monde qui t'a voulu servir bon Dieu dans le domaine ça. Ouais, un bon temps de formation de 8h à 2h30. A gain environ 4 sous-thèmes qui va traiter. Premièrement, c'est comment diriger un service d'adoration avec Pasteur Luston Napoléon, l'ABC du compositeur chrétien avec Pasteur Sem Hippolyte, l'importance de la santé de l'Église dans le service d'adoration avec Maestro Noyo Chérisma, et puis protocole avec Madame Pasteur Luston Napoléon. Encouragez-vous, venez dans ce temps de formation. Ça. Et la grande chorale, la chorale jubilaire de l'Église, a frappé très fort. Mais il y a une possibilité pour vous-même qui partez jambes, venir en répétition, pour capable venir et apprendre chant dans jour ça, dans semaine ça même. C'est dans l'autre idée ça, mercredi, Dieu voulant, à 2h, Napton, tout choriste l'église là, dans une rencontre spéciale ça, dans un temps de répétition spéciale ça, pour capable venir apprendre chant qui est temps. Ouais que chorale là est connu, il y a bonne chance pour capable connaître lui, pour capable participer avec nous dans toute activité qui a gagné dans 50e là. Alors mes amis, si m'pa faire m'a travé, jodi a c'est le jour de nos introductrices. D'ailleurs, tu vois sous chair là, yo dépassé chic chèque, choc. Ils ont dépassé niveau ça. Nous voulons dire merci pour le service qu'ils ont offert le Seigneur à Bellevue Salem. Ils ont profité de ce moment pour nous souhaiter, yo, ensemble avec moi, joyeuses années. Que bon Dieu bénisse nous et encore bon ministère. Il y a promesse de mariage, je vais demander au moins candidat ça au camping. De mariage entre monsieur Evans Duvivier et mademoiselle Edeline Cadet. Ce mariage sera célébré à l'église baptiste Bellevue Salem le samedi 25 février 2023 à 3h p.m. Promesse de mariage entre monsieur Gerdi Mathurin Mademoiselle Irma Blanda Valsin, ce mariage sera célébré côté Irma. Ce mariage sera célébré à l'église baptiste Bellevue Salem le samedi 4 mars à 10h AM. Si il y a un monde qui connaît quelques justes causes capables d'empêcher mon sœur marié, il est prié de le dire maintenant pour qu'il se garde à toujours. Et dans l'heure temps de nous dit là, c'est dans laisse ce mariage là à commencer exactement. Sœurs et frères dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Konnichiwa. Alors, et moi bien content ouais nous matin après quelques semaines d'absence, même seulement venir annoncer tout jeune yo après-midi on a gain en causerie qu'a fait sous entre surdité et barrière communicationnelle, comprendre les complexités d'une déficience partagée.
Donc c'est surtout pour nous capables de comprendre monde qui gagne qui a mobilité réduite que vulgairement nous relais handicapés en Haïti. Donc nous t'aimer que toute jeune yo vienne participer dans cause ça cap animé par et monsieur Ronel Bellegarde. Nous gagne tout et Chacha édition qui c'est une édition qui créé par un jeune l'église là qui gagne deux ateliers qui a fait samedi 26 février. Premier atelier a fait sous écriture et deuxième n'a fait sous technologie et leadership féminin. Donc samedi 26 février 9h30 3h c'est gratuit, la fête dans la bibliothèque municipale de Delma qui dans Delma 49. Donc ou même qui t'a aimé gagner plus d'informations, venez après-midi pour nous capable inscrire sous ou bien partager lien pour capable inscrire. Et nous dernière annonce que n'a partagé avec nous, chaque année nous et malheureusement nous pas gagner camp, mais nous te dit semaine ça nous t'a aimé réaliser une activité et c'est pour Lyon journée récréative qu'a fait au bord de la piscine. Donc nous inviter toute jeune venir après-midi, venir inscrire et son journée qui presque gratis, c'est seulement 750 gourdes n'attend toute jeune après-midi 4 heures. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. En nous mettant debout pour nous préparer cœur nous dans adoration pour nous attendre des messages parole bon Dieu. À nous chanter parole ça que nous joignons dans numéro 4 écho des élus. Jésus, c'est mettre moi, sauver moi. Bon moi courage pour moi capacité. Chemin en noir et puis glisse. Comment pour moi faire si vous pas aider. Nous besoin courage en temps difficile ça. Toujours.
contempler grâce, mon Dieu. Nous, ouais, Jean, bon Dieu, nous en bon pour nous. Et nous, qu'a dit, Seigneur, ou pas qu'un rival. Seigneur, pas qu'un rival. Parmi les gens qui ont consolé nous. Ou mettre quoi ça? Et chanter parole ça. Parfois, j'étais bien tranquille. Prends ton pour me contempler grâce. Voulez pas, j'en regrette non vie. Dès que on te choisi pour me suivre, m'a fait rien en vie pour juste. C'est grâce à position en crise. M'a dit ou merci pour sacrifice. C'est le fils pour tout le monde, la nature pour elle, la vie confiée. La jambe manque souffre pour meilleur s'érant, puis au passé, c'est où mon Dieu? Pas qu'à pas craindre tout louange pour que moi à moi, la mette ensemble pour chanter.
Frères et sœurs, bonjour. M'a dit joyeux anniversaire à nos sœurs introductrices. M'a souhaité que bon Dieu capable de continuer à bénir le ministère nous et dans l'église là. Voilà. M'a invité à tourner page Bible avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 1er. Et c'est là que moi j'ai l'impression entre nous deux gens qui tombent. Voilà, ça va. 2 Corinthiens chapitre 1er. C'est son texte que nous briser l'os de ce texte pour nous capables de sucer moelle qui est dedans et en dedans verser ça en pile. Mais dans la prédication matin, ça m'empêchait que nous voyions pieds dans plusieurs autres passages dans la Bible. Introductrice dit que, c'est pas moins d'il, c'est au dit, soyons des agents de consolation. Soyons des agents de consolation. Laissez-moi lire le texte de Corinthiens pour vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Vous songez, j'ai présenté Papa Bon Dieu déjà comme l'apôtre Paul dit, il est le Père des miséricordes. Les gens entraillent, il n'est pas un bon Dieu insensible, il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est aussi le Dieu de toute consolation. Qui nous a consolés? Qui nous a consolés? Ma petite introduction en passant que pour si on a un genre de consolation, faut son monde qui consolait déjà. Moi, te dis ça ici. Elle me dit que c'est bien qui est difficile. Là, on a fait un monde qui pas consolé. Vous savez ça? Donc, si on demande l'église, on demande bon Dieu au pasteur, dit Seigneur, là, on a un pasteur ici, on a un pasteur consolé. Jeune fille qui a demandé ménage, c'est un jeune homme qui consolait. Parce que s'il pas consolé, il a désolé. Et s'il désolé, il apportera la désolation dans votre île. Second pasteur désolé, il apportera la désolation dans sa prédication. Il apportera la désolation et au sein des groupes. C'est Dieu nous a consolés. De toute, quelle que soit détresse nous, il consolait nous. Et m'introduis ça, oui. Par la consolation dont nous sommes l'objet de sa part. Et que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. C'est moun qui consolait qui a consolé l'autre monde. Si vous êtes consolé, et puis moun qui est consolable, Jean Frère Michel Desili, ou a dit non. Tu peux être consolable. Avec bon Dieu, pas gain consolable. Tu peux être consolable. Parce que moi-même, je suis consolé. Maintenant, si pour un agent de consolation, il faut ce monde qui connaît le Dieu de toute consolation. Vous avez une connaissance du Dieu de consolation. Soyons des agents de consolation. Pour être un agent de consolation, il faut connaître le Dieu de toute consolation. Bible a donné un exemple. Il y a un groupe d'amis qui a consolé un ami. Les gens qui ont l'Esprit de Dieu dans la tête, je vais parler de Job. Les amis de Job, qu'elle consolait Job.
Job a besoin de consolation. Lorsqu'on consolait les gens, il faut regarder, est-ce que les gens ont besoin de consolation? Job, dans la situation de TEA, il a besoin de consolation. Il perd du petit lit. A dit maman, je perds du petit moi. Il perd du bien. Il perd du santé. Il perd du position. Et même madame nan dit comme ça que a de cause papa ou et n'a fait bon Dieu ça toujours même hein ba on qui sinon le Jobi ou bien Bobi ou bien Jean Terrel Dio ba on Jean Terrel ou et n'a fait bon Dieu ça toujours mais qu'on a mes quatre amis Job vinn ouais Job. Moi, je vais regarder plusieurs versions. Moi, dit la première chose, un agent de consolation doit avoir une connaissance intime, connaître le Dieu de toute consolation. Job chapitre 4. Les hommes y arrivaient, Eliphaz dit Job comme ça. Verset 2. Si n'a pas ouvert la bouche pour nous parler là, permettez-nous de nous dire petit mot. Depuis que nous commençons à dire ça, et blessé le bras blessé. Écoutez ça. Il vient côté là, moi ça fait me dire que moi pour venir consoler, sous pas dire bon bagage m'a faut aller. Sous venir consoler, sous pas dire bagage qui pourrait conforter m'a faut aller. Et Eliphaz dit Job comme ça, verset 2, chapitre 4. Si nous osons ouvrir bouche nous, elle sera peinée et blessée le balbézo, oui. Je ne sais pas si je connais si je suis fâché. Si je connais ma fâché, je vais tout aller. Pas dire mieux. Mais qui pourrait garder le silence? Nous t'a payé, je ne sais pas si je suis voici, voici Eliphaz Abdi, il commence à reprocher. Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Donc, moun qui a pral tombé, parole ou levé yo. Tu as fermé les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'on est là, mais oui, garde dans son oeil. Maintenant, garde dans son oeil. Ou te kon console moun, garde dans sa ou tombé qu'on est là. Pas bien, m'dou que pour consoler moun, faut. Ou qu'on est bon Dieu, ça qu'on console. Sou pas qu'on est bon Dieu, ça qu'on console. Rit la kao. Sou pas qu'on est bon Dieu, ça qu'on console. Pas di moun nan hein. Pas parler avec elle. Pas augmenter souffrance li. Pas augmenter tracal. Pas augmenter tête chargée. Zami Job di Job que ou console moun. Et qu'on a gardé dans la situation que ou rivé. On est comment Job bral relé. Monsieur ça vient nous consoler là. Parce que Job réalisait que ça yo vinn di là. C'est pas bagay qui a encouragé. Bon petit exemple, c'est sou pou gen moun mouri. Et l'or gen moun mouri et puis ou chita là et dans comment il est là dans exposition. Donc pardonnez mes amis moi pas un courage pour me chita pour une femme crier. Donc si me mon mouri là soit m'a fait ti virer dans la cour là parce que me crier déjà mon envie de entendez nouvelle oui. Il frère et puis li c'est vous a fait pas là. C'est vous a vienne gratter mi tant tête pour le faire crier oui. Nous t'en ba oui. Comment apporter la consolation si vous-même comme consolateur vous n'êtes pas consolé? Comment qu'à consoler moun si vous-même ou pas consolé? Dans Job, chapitre 16, dans verset 2,
Gardez ça, Job a dit. Job disant million que vous êtes, dans la deuxième partie verset 2, oui, vous êtes des consolateurs fâcheux. Vous êtes des consolateurs fâcheux. Parce que au lieu que vous a pesé souffrance moins, vous venez blesser plus. Vous êtes des consolateurs fâcheux. Et dans Job, chapitre 21, et dans verset 34, Job chapitre 21, Job dit, pourquoi donc m'offrir de vaine consolation? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Pour qui ça n'a pas offrir consolation ça? Pour qui ça va venir ou même dans une situation difficile déjà? Au lieu que vous réconfortez, vous venez offrir une consolation fâchée. Et dans Job chapitre 42, dans verset 32, pour y aller, et dans Job chapitre 42, ce n'est pas verset 32, regardez le texte en vrai, Job chapitre 42, l'Éternel pral dit, monsieur, au que, verset 7, nous ne pas parler de moi. J'en ai dû parler à l'ennemi avec Job, nous parlons en pile, mais nous ne pas parler de moi. J'en ai dû parler à Job chapitre 42. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi, contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Mon qui vient consoler Job, oui, l'Éternel dit que moi fâché contre nous parce que les nageoires Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Alors, ouais, il y a un agent de consolation qui a consolé Moun. Il y a parlé au nom du Dieu de la consolation, mais ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas contre bon Dieu qu'on nous consolé. C'est facile. Ou après, on est contre bon Dieu. On est contre bon Dieu. Ou après, parole, il y a une parole qui râle Moun. Et toi, dis sur l'on n'importe là. Ou une parole qui râle Moun. Donc, si vous sentez depuis la cao, ou fâché, ou pas content, plutôt dit, Madame Hippolyte, ah, Madame Hippolyte, moi senti que moi pas capable de camper ma terre. Ouais, sous cette vous changez. Vous allez mon ici là. Vous va rien chita, lever. Vous ça me dou, hein? Donc le ça ou gain une parole qui excite elle au lieu que une parole qui adouce elle. Pour son agent de consolation depuis ce maintenant, moi t'es avec le Dieu de toute consolation. Mon cœur comme prédicateur, mon cœur est apaisé. Mon cœur est consolé, mon âme est consolée. Je suis consolé. Comme diacre. Il y a un diacre qui, son âme est consolée. Oh, je regarde mon mari, le cœur de mon mari est consolé. Le cœur de ma femme est consolé. Le cœur de moniteur de l'école dominicale a cœur consolé. Si vous connaissez ça très bien, si vous connaissez que le cœur papa et maman n'est pas consolé, c'est au pire conséquence. Un agent de consolation, c'est un monde qui connaît bon Dieu ça, qui compte consoler, hein? Et puis monde ça, quel consoler déjà. Quel consoler déjà. Les amis de Job, à loin de Job, bon, je ne prends pas 20 dollars, je connais pas la parole bleue, ça aussi, c'est vrai, mais on connaît dans l'évangile, préparez, et puis, les paroles bleues, sortez. D'accord? Le ou gon ti médicament, le ou gon ti oxygéné pour mettre en vont blessé non, ou a dit ça. Job dit en milieu que vous êtes des consolateurs fâchés. Vous ne connaissez pas le Dieu de toute consolation. Et dans le dernier chapitre, l'Éternel dit à Eliphaz avec toutes en milieu, vous n'avez pas parlé de moi. Vous ne me connaissez pas. On donne ce qu'on a. Si vous n'êtes pas consolé, madame, moi pouvez
gade fois le parler même son matin me pas consoler de pas consoler rapper mon nan rien de pas consoler il ou fanny de pas quand pas rien et ça fait ouais sous pas consoler gade bagaille pas fait. Seigneur a dit, vous n'avez pas parlé de moi comme un agent de consolation parce que vous ne connaissez pas, vous ne me connaissez pas comme Dieu de toute consolation. Ouais, on prend les amis de Job. L'apôtre Paul dit, Seigneur a consolé pour qu'il console l'autre monde. Le ou pas consolé ou blessé l'autre monde. Le ou pas consolé, pas faire mon remarque. Hein? Ou bien pourquoi pas pour nous pas d'oreille et laisse à moun ouais moun nan ouais cravate ou timbal ou passe ou gèle pas garde dans glace du tout hein. Mais ça besoin de ça ou gèle pas garde dans glace du tout ouais connait là je suis en chair par exemple et Christian te dit comme ça que faut faire un studio moi pour qu'on fait il y a un studio puis on ca poudrer moi passer mémé avant de monter chair nous besoin. Comment est-ce que vous avez dit? Vous avez dit qui vous avez cravate nous. Vous avez un ministère comme ça. Très bien. Vous avez dit que vous avez un ministère comme ça. Pour garder avant pasteur à monter, avant diacre la monter, avant frère Misiel monter, ou ranger les vitres, ou ranger les lunettes. Li, ou range... Mais papa, non, frère Misiel a prié, il laisse courir. Vin... Laisse ça pas consoler. Ouais. Ou passe. Ou gèle. Est eh, normal comme pasteur. Il y a des fois où oubliez paix. Oubliez paix. Et puis, c'est laissé monter dans les oreilles. Parce que vous n'avez pas de paix matin. Non, non, on va monter cher. Hein, depuis en bas, on va attendre 10 mois. Ouais. Si vous êtes consolé, si votre âme est consolée, sous tes prières matin, on va répondre comme ça, non? Il est non, pas consolé. Ou alors, consoler le monde, non, pas consolé. J'aimerais répondre, non, montrer mon pas adoré matin, sous t'es adoré matin, je vais travailler ça, ou pas adoré matin. Ou venez ici à tout sceller, si bon Dieu te décelle, ou pas d'abord la même comme ça. C'est les gens, non, mon pas consolé. Dieu nous console. Je vais pas la même là, et madame, non, je vais pas la même là, ou qu'elle était n'importe, on est qu'on doit passer dans tout château, on est passé, on a, et ça, on répond comme ça. Ah, on va mettre ma haut, on va mettre ma haut, moi même. Ah ben, Timano. Je vous console. Écoutez, Dieu nous console pour que nous soyons des agents de consolation. Un agent de consolation, c'est un monde qui connaît le Dieu de toute consolation. Son cœur, c'est quelqu'un qui a rencontré le Dieu de toute consolation. Maintenant, un agent de consolation, non seulement il a une connaissance du Dieu de toute consolation, mais secondement, un agent de consolation, mes introductrices, mes filles introductrices, un agent de consolation, je me fais voir dans la Bible là, l'agent, celui qui est consolé, est devenu fils ou bien fille de consolation. Celui que Dieu console. Moi, j'ai un bon texte que moi, souligné dans la Bible, moi, pendant le mois de janvier, moi, médité en pile sous la vie de M. Sartre. C'est à Barnabas. Il y aurait le monsieur fils d'exhortation. Actes des Apôtres, chapitre 36, chapitre 4, verset 36. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 36. Ouais, l'agent de consolation, il connaît le Dieu de toute consolation. L'agent de consolation, il est secondement fils. Puisque nous sommes avec des filles matin, filles de consolation. À des apôtres, chapitre 4, verset 36. Il y aurait les Barnabas. Joseph, surnommé par les apôtres, Barnabas. Barnabas, ouais, c'est apôtre Baltinon, tellement qu'on connaît monsieur qui a une parole douce. Barnabas, ce qui signifie fils de consolation. Apotio, par exemple, mien diakmoyo, m'kaba chak ou non, m'kon point fort et point faible chak. Ouais. Apotio dit tellement Barnabas
qu'on console les gens, qu'on exhorte les gens. Ministère d'exhortation, si vous ne faites pas, vous ne faites pas chanter pour dire, soit vous avez souché à la, plutôt pas de chanter. Non, non, non. Si vous faites comme ça, vous avez des huiles. D'ailleurs, et pendant même service, nous obtenons le service à fini. Vous voyez, Barnabas, c'est un fils d'exhortation. Les introductrices, ils doivent des filles d'exhortation. Balle mon tour. Pour la consommer. Maintenant, Saul de Tarse, qui t'a persécuté l'église, ils connaissent Saul de Tarse comme ils ont ennemi de l'église, ils ont terrible fanatique, mais qu'on a Saul de Tarse, où songez, sur la route de Damas, la lumière de l'évangile frappait monsieur, la guerre monsieur à terre. Jésus-Christ dit, pourquoi me persécutes-tu? Et puis Saul de Tarse, vient pour Christ. Dans les Apôtres chapitre 9, Saul de Tarse a frappé dans la porte disciple, verset 29. Et depuis verset 30, depuis verset 23, Saul de Tarse, verset 26, il se rendit à Jérusalem. Saul tâcha de se joindre aux apôtres. Mais tout le monde peule. Il dit, c'est pas nèg ça. Frère avec Semio, ou te mettre au moins des pardons. Il y a des gens qui ne peuvent jamais pardonner. Donc, songez. Il vend des outils, mais il ne va pas vendre des outils. Apôtre dit, c'est pas banal, c'est pas Saul de Tarse qui persécute nous, qui nuit nous. Non, 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 nous pas recevoir monsieur pour nous mettre monsieur dans sein nous. Il se leva, verset 27, et partit, et voici, non, excusez-moi, verset 27, alors Barnabas, maintenant chapitre 8 là, alors Barnabas, pas oublié, apôtre Barnabas, comment, fils de consolation, apôtre ba monsieur Tino Jouette, par exemple, si, si c'est toujours arrivé en premier, et yo boti non jouette. Si c'est autour qui était l'église en dernier, yo boti non jouette. Surtout dans tout service, il y a boti non jouette. Sous toujours ba offrande et moi t'ai au caï et dimanche soir et jusqu'à Tiverny et puis m't'aller dans célébration ouverture et radio lumière goma nan pasteur mes amis, madame nan dit bagaille m'écrit, madame nan dit pour Jean radio lumière. Aidez-nous. Radio Lumière besoin d'offrande qui est éclairée. Et puis, l'aime fini, je vais passer à Manapas. Si je suis l'église, je vais prendre l'eau et offrande éclairée. Les Radio Lumière besoin d'offrande éclairée. Chaque soir fait, il y a bon nom. Ou pas sur un pays. Ou pas sur un pays en Afrique. Qui a un petit monsieur qui a fait des ordres. Ou pas, il y a un nom. Tisse-ci, tisse-là. Ou pas, j'en entends des informations sur un pays, ça, juste en Afrique. Il y a un tisse-ci. Si c'est là, chaque soir fait, ils mettent un ti devant nous. Donc, chaque soir fait en bien ou en mal, ils ont un non. Quelle église n'a pas compris ce que je dis là, même matin là? Il y aurait les Barnabas, fils de consolation. Qu'on a mis l'apôtre, mais Paul, Saul de Tarse, qui convertit et qui a joint l'apôtre pour dire bon, qu'on a mon cher venu avec nous. L'apôtre dit non, nous pas prions parce que vous faites nous tort. Ou persécuter l'église là. C'est comme si on t'a dit, mais fais introductrice. Johan, nous ne pas garder. Dis tout, Johan. Johan, tu me regardes. Comme si, au monde t'a blessé Johan, bon, là, quand il y a, hier soir, Johan Vilissin. Et puis, qu'on est là, mais c'est moun ça qui t'a blessé Johan, non? C'est Johan qui pral dit, bienvenue. Bienvenue au culte de ce matin. Pour jouer en dadi, moi-même, non, non, c'est ça, on met le chita, moi-même, non, non, moi, ça me bat la chaise.
L'apôtre, l'apôtre dit, nous ne pouvons pas recevoir Saul de Tarse. Qu'on a Barnabas, qui est fils de consolation. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Il leur raconta, écoutez, Barnabas racontait comment monsieur converti. Il raconte aux apôtres la conversion. Ouais, il est un fils d'exhortation. Il dit, nous mettre ce voile, les convertis qu'on y a. Nous mettre ce voile, grâce mon Dieu. Frère avec ce mieux, il y a des fois où on pense au plus bon que grâce là. Ou oublier le travail que grâce mon Dieu a fait dans le monde. Là, Barnabas dit, grâce mon Dieu, changez-le déjà. Nous mettre ce voile. Il conduit, et puis il racontait. Alors Barnabas l'ayant pris avec lui, le conduit aux apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom du Seigneur. Songez-moi donc que l'heure où on est le Dieu de toute consolation, il faut retourner un garçon qu'on console, une fille de consolation. Un garçon de consolation, un prédicateur de consolation, un pasteur, pas un pasteur de marteau, qui a cloué. Pas jamais de bon Dieu pour bon pasteur marteau. Chaque fois, on fait le cloué. Ou péché, ou ceci, ou cela. Barnabas, c'est un fils de consolation. Et puis, Barnabas prend Paul. Qui moun là? Que vous mettez dehors, ou une responsabilité pour prendre, pour mener, pour dire non, Jésus changeait la ville déjà. Il n'y a pas même monde là encore. Jésus transformait la ville déjà. C'est comme si, pour Barnabas, tu as dit, et elle menait Paul, si Paul te connu quand tu ça, faut Paul t'a chanté, moi t'es fini perdu, mais Jésus t'es sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Pour Paul, tu as dit, Barnabas, Jésus a sauvé Barnabas, l'a encouragé Barnabas, l'a consolé Barnabas, et puis Paul dit oui, Barnabas joigne moi, il pas sauvé moi, Jésus sauvé moi, mais l'a encouragé, l'a fortifié moi, l'a fait me connaître Jésus, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Les monde n'en venir me souffre chavel, mais fait le connaître Jésus, c'est un merveilleux sauveur pour et Jésus qui est un merveilleux sauveur pour lui. Non, il est sauvé déjà. Non. Barnabas dit, Jésus changé la ville déjà. Grâce, mon Dieu, transformé déjà. Ou tirer étiquette qu'on mettait sur nos langues. Grâce, mon Dieu, transformé déjà. Un, nous dit, un agent de consolation, c'est quelqu'un qui a une connaissance du Dieu de toute consolation. Avoir une connaissance du Dieu de toute consolation. Deuxièmement, être fils ou fille du Dieu de toute consolation, comme Barnabas était fils de consolation. Et finalement, qui était plus que film, tu as cherché un bon modèle fille, seul modèle moi joindre, c'est, alors, bien l'autre, même, tu prends un modèle ça, dans deux rois. C'est cette fillette que le département des enfants remet fils en pile, et c'est le département des enfants qui fait remet fils ça, c'est cette petite déportée. Dans 2 Rois, chapitre, depuis 2 Rois, chapitre 6, est-ce que c'est ça? 2 Rois, et la guérison de Naaman, chapitre 5, 2 Rois. Écoutez, sa fille a dit. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Une petite fille qui n'en cas là, qui sortit en Israël, qui était au service de madame Naaman. Tifia, ouais que général la malade. Tifia, ouais que général la gongratel. Tifia, ouais que général la pas qu'à sortir. Tu fais à ouais que yo ba général la chambre ni. Et tu fais à ouais que gen pile médicament
et puis rien pas marché. Elle dit à sa maîtresse, mais ça me remet. Ouais, il y a pas même bail non, sous garde tout le monde qui impliqué, toute personne qui impliqué dans guérison amant, il y a bail non, il y a pas bail notifié. Frère, ou ka yon anonyme, mon qu'on console monde. Ou ka pas gain non, mais parole ou console monde. D'ailleurs, Tifi a pral fait que c'est Tifi ça, cette fille anonyme qui pral fait général là, cité nom bon Dieu. M'ka pas gain non. Mais parole dans bouche moi et témoignage moi qu'a fait l'autre monde cité nom mon Dieu. Il dit que oh si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Tifi a dit maîtresse ça moi sont déportés c'est vrai mais gon bagage que me connaît maîtresse ou pas connaît. Moi son esclave c'est vrai, gon bagaille que me connaît maître moi pas connaît. Écoutez, non gros pays c'est vrai, ça fait m'a dire pile monde là qui parti, l'or parti ou pas dans pays abondance, mais parti avec la grande richesse. Jésus c'est plus gros richesse qu'on a besoin. M'a dit à tout le monde qui parti là, écoutez ça. Moi Napoléon, m'a voyo dans gros pays ça avec l'Éternel comme la richesse suprême. Nous sommes notre pays, c'est vrai, mais nous avons savoir vivre. Nous disons bonjour. Allons avec richesse. Nous apprécions la famille. Nous allons avec richesse. Nous parti. Nous prenons dans le pays quand nous prenons aller demain matin. Tifi a dit que moi, je viens dans le pays où là, c'est vrai, mais dans le pays, nous avons richesse. Dans mon pays, il y a un Dieu. Dans mon pays, il y a un homme de Dieu. Dans mon pays, il y a un homme de puissance. Seulement à joindre le prophète à Samarie. Calons parole. Il pas fait bruit. Tifi a dit comme ça que et pas esclave nous débran moi. Bon me connais m'pap dit. Et pas esclave nous fait esclave. Et pas misère madame n'a fait m'passer. Et pas chaud elle bon me laver. Hein, m'pap dit. Et bon pile rat dit bon me laver, m'pap dit. Mais Tifi a ouais. Ouais, ça c'est quand vous êtes devenu un fils ou bien une fille de consolation, vous avez troisièmement un ministère. Connaître le Dieu de toute consolation, être fils ou fille du Dieu de la consolation et avoir un ministère. Tifi est arrivé, il dit, si mette-moi, t'es allé en Samarie pour t'a rencontrer le Dieu de toute consolation, le Dieu de guérison. Vous connaissez ça, moi, mais c'est que Naaman coûte parole de Tifia, oui. Il des fois, nous tellement grands, nous ne pas coûter parole de l'autre monde. Hein? Nous tellement puissants, l'autre monde ne pas capable avec nous. Hein? L'homme est guérison, par un bois de nous, ici, nous n'importe, nous bouillons n'importe feuille. Hein? Bon, Zote, il faut faire mal, il faut bouillir, faire quoi qu'on rebouille. Hein? Il faut bouillir, associer ou bouillir. L'homme malade, pas qu'il m'a dit. Et puis, général a pas qu'il m'a non? Général a coûté sa Tifi a dit. Et puis, le général l'a arrivé. Et puis, général a accepté. Et c'est vite lui qui dit le plonger. Monsieur dit, la Kali gen belle rivière, mais de l'eau, ça sale. Même si la Kali gen belle rivière, mais la Kali ou pas gen mon Dieu. La Kali ou gen douche, mais la Kali ou pas gen mon Dieu. La ka ou gen avion, mais la ka ou pa gen bon Dieu. Serviteur le dit comme ça que acceptez ça, plongez une première, une deuxième et une septième fois. Et Bible a dit, monsieur Soti avec yon corps qui tourne. Au ministère, parole ou ka guéri moun, parole ou ka consoler moun, parole ou ka accompagner moun. Un agent de consolation, son moun d'abord qui connaît le Dieu de toute consolation. Deuxièmement, son monde. Ouais, il consolait déjà, oui. Son monde qui vini fils, même j'avais Barnabas, ou bien fille de consolation. Son monde, tout même j'avais petit ça. Moi, petit, c'est vrai, même mon parole qui guérit, qui n'embouche moi. Moi, connais bon Dieu, ça, qu'on consolait, qui qu'on encourageait. Probablement, Tifia t'a dit, maîtresse, la ré, ah,
Moi-même, tout comme fillette, je suis fin perdu. Mais Jésus t'a sauvé. Je suis malade, mais Jésus t'a guéri. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Si mettre moi aller en Israël, il y a un Dieu. Connaissez-vous ce Dieu? Si vous ne connaissez pas bon Dieu, ça m'a été normal pour chimer. Et normal pour parler l'aide. Et normal pour jouer le monde. Et normal pour faire bruit. Et normal pour amer. Dans le jour, il y a eu la douce, mais après, il y a eu la amer. Et normal pour amer. Bon, on est. Si le Seigneur, vous n'avez pas besoin d'acheter trempé pour douce. Si le Seigneur trempé au matin, on va venir douce, qu'on bon sirop miel. Si petit l'a dit, qu'on bagay que me connaît, que madame n'en pas connaît, que maître moi pas connaît, il y a un Dieu en Israël. Mes ministères, oui, dis moun yo, gen mon Dieu. Gen manger, gen poids, gen maladie, gen souffrance, mais gen mon Dieu. Il y a un Dieu en Israël. On ne dit pas qu'on est le Seigneur matin, mais accepter Christ comme Seigneur, sauver la vie. Et quitter bon Dieu, fait moins avoir tourné des agents de consolation. Pour le nous vont côté pour yon, nous connaissons mon Dieu consolation. Hein? Puis yon, deuxièmement, nous sommes fils et filles de consolation. Et troisièmement, pour yon, que nous avons ministère de consolation. Que mon Dieu bénisse au matin. Seigneur, merci pour vos paroles qui c'est la vérité, qui enseigne nos matins que nous devons des agents de consolation. Qu'on s'allait nous consoler, nous capables de consoler l'autre monde qui est dans affliction. Le nous consoler, nous capables de consoler l'autre monde qui est dans détresse. Et nous capables d'inviter au venir joindre le Dieu de consolation, le Dieu de toute consolation. Et nous prier, Seigneur, pendant matinée ça. Pour que chaque monde qui est venu matin ça capable retourner la caillou consoler et que soit capable consoler ceux qui ont quitté derrière. Nous prions Seigneur pour que toute semaine pendant tout reste mois, pendant tout reste année, pendant tout reste vie nous capables jouir de parole ça, parole de consolation ça. Nous capables servir le Dieu de consolation. Père, nous prions pour que la paix capable régner dans mitan nous. Nous prions pour que la joie, Seigneur, capable de venir dans le cœur nous. Oh, dans le temps de détresse, dans le temps de désolation, pour que parole, consolation, ça soit capable d'aider nous à avancer, et capable de servir pour nous comme booster, pour permettre que nous avancer et faire des pas de géant vers l'avant. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Merci pour ton serviteur, ton fils, Seigneur, qu'on soit utilisé pour prononcer oracle, pour prononcer parole, qui c'est la vérité. Reste avec nous, Seigneur. Et merci, merci encore pour parole de consolation qu'on voit bien nos matins. Dans le nom précieux de Jésus, nous te prions. Amen. Nous arrivons dans un moment pour nous capables de recevoir offrande et dîme assemblée à nous prions pour capables commencer à débousser ou retirer boussou et prendre corps pour capable déposer dans le plateau. À nous adorer bon Dieu avec don nous et offrant nous. Que le Seigneur vous bénisse. On nous chante parole ça que nous joignons dans numéro 124, section créole, chant d'espérance. Moi, t'es fin perdu, mais Jésus t'a sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. 124 créoles. Jésus t'a sauvé, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Péché démarré, mais Jésus t'a délivré, c'est un merveilleux sauveur. Amen.
va commencer par le saïo encore. Et fois ça, nous allons chanter plus bien avec les musiciens. Perdu, mais Jésus t'a sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Péché m'a marré, mais Jésus t'a délivré. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fini. Jésus t'a sauvé, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Lions en vivre, si patient et tranquille, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Tout bagage besoin, moi toujours joint dans le lit, c'est un merveilleux sauveur pour moi. Oui, c'est un merveilleux sauveur. Si vous êtes venu sans Jésus, pas sauter dans la salle sans Jésus. Message là est clair et simple matin. Il faut que vous connaissiez, bon Dieu, consolation, pour capable, petite consolation, pour capable, fils et fille de consolation. Et le, au fin, c'est petite. Fils et filles de consolation, ou capable de gagner ministère de consolation. Si ou pas qu'on connaît bagay ça matin, pas quitter l'église sans ou pas faire petit bon Dieu consolation. Si ou nan yon état comme ça, joignez avec nous après service pour nous capable mener en bay bon Dieu consolation ça. À nous recevoir les mots de bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, la douce et intime communion de son Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse, allez en paix. Et tout membre de l'école dominicale, cherchez classe, si vous n'avez pas une classe, faites partie de une classe école dominicale, qui pourra le gagner pour fêter jubilé le 19 mars prochain.